Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo gameplay sur Titanfall pour parler du nouveau mode de jeu donc qui s'appelle excusez-moi Escarmouche de pilote. Donc ce nouveau mode de jeu consiste à avoir, donc déjà c'est du 8 contre 8 hein. C'est pour ça que vous voyez marqué 8v8 hein. Donc 8 contre 8. Pas de titan, pas de bot. Donc c'est du pur contre 8. Donc plus que d'habitude. Donc c'est qui peut être vraiment sympa. Sur les grandes maps, ouais. Ça peut être sympa. Alors on va essayer. Donc on est sur base d'entraînement escarmouche de pilote. Donc c'est qui nous a offert ce nouveau mode de jeu. Par contre, il y a en disponibilité. Hein, c'est ce qui est marqué dans la description du mode. Je pense que s'il marche bien, le... ils vont laisser le mode comme condamnation. À la base, il était en durée limitée. Maintenant, il est en mode officiel. Donc, c'est parti. Mon base d'entraînement de pilote. Par contre, je vais la. Je voulais vous préviens, direct. Pas vous mentir, je vais vraiment. Le titan, alors qu'il n'y a pas de titan. Hein, je vous rassure. Pas de titan du tout. Et là, je bug, je. Comme un chien. Franchement. Je vous préviens, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur Titanfall, une quinzaine de jours, là je viens de reprendre, avec une partie déjà mauvaise. Et des mecs. Oh. Ils sont bien. Ah, ils sont vraiment tout là-haut. Ah putain, mais je trouve vraiment personne. Ah ouais, ben je trouve personne. C'est marrant. Il y a un mec à haut. Il est pas mort. Sérieux? Assistance. Ah, il me reste une grue. Je trouve personne, ça me saoule. Mais bon, on est là pour jouer. Ok, à moi, un mec devant. Ça fait une quinzaine de minutes hein, en façon de parler de chercher un mec. Il me trouve en 2 secondes. Alors il y a des mecs là-haut, ça m'énerve. Ils vont camper. Voilà. Assistance. Ah, je me fais qu'une des assists. Oh là là. C'est chiant. Mais il est pas mort. Et c'est quoi ce bordel? Non, ouais, ah oui, j'ai une barre. Ça va être chiant. Ah là là. Attention,
Il n'y a pas une co-américaine. Reprenez vite le contrôle. Ah, j'ai vu un mec. Eh merde, j'ai vu un... Hey! Alors franchement ce mode, c'est des modes qu'on connaît pas d'habitude. Mais là c'est vrai que ça change. C'est vraiment des jeux de... un mode qu'on connaît vraiment. Donc ça peut être sympa. Ça peut être niveau aussi des EA Sports. Alors, je vous rappelle que les EA Sports, EA Electronics, si vous... Ah putain, là, d'un seul coup, c'est bon. EA Electronics, si vous préférez, sont ça veut dire sport électronique, donc compétition électronique. Va être officialisé dans les matchs de team et autant dans les matchs de en ligne. AMS. Donc voilà. Moi franchement ce mode là je vais bien geeker dessus pendant un bon moment. Il a vraiment bien joué. Parce que voilà, déjà ça va augmenter mes armes. Ah par contre au niveau de l'XP comptez pas trop dessus. Je vois apparemment que c'est 100 kills. Apparemment. Alors là, une grosse connerie de faire ça. C'est pas grave. Niveau 26, allez. Alors par contre là voilà, ce mode là faut vraiment... Vraiment, regarde. Ah, assistance. Là, j'ai de la chance. Là, franchement. En plus, voilà, il n'y a pas les mecs qui campent parce que. Ils doivent camper. Parce qu'il y a des titans. Ah, j'aurais pu l'exécuter, mais. Oh, allez! Allez, bim! Du pompier! Eh merde! Et je me fais tuer par derrière. Là. Ah, je me suis... Oh putain, non, quoi, il se fait du 31 1. Alors franchement là bravo. Ah putain. D'habitude je joue pas avec cette arme là, mais bon quand on passe les prestiges on perd tous les armes. Donc ça c'est chiant, ça aussi. Allez merde. J'ai eu un coup de lag, là ce coup-là aussi. Vous savez que dans une semaine, Destiny... Hein, si vous êtes au courant. Donc, c'est-à-dire que dans une semaine... je vais faire énormément de vidéos sur Destiny. Eh merde. Voilà, je vais... Alors, j'ai déjà prévu à peu près ce que j'allais faire sur Destiny. Parce que vous savez que c'est un MMORPG, mais aussi un FPS. RPG, mais aussi le mode FPS. Donc, deux vidéos découvertes. Et astuces que j'ai... Je connais quelques astuces déjà par rapport à la bêta. Que je n'ai pas essayé, mais je connais des astuces qu'on m'a raconté. Je ne pique pas les idées, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça. C'est juste que on me dit ça, j'ai avoué, c'est
verras quand tu me dis, oh, vas-y, vas-y. Donc voilà, je n'ai pas testé la bêta. Pourquoi? De une, je suis pas trop pour les bêtas d'habitude. Quand je vais acheter le jeu. Quand ça raconte déjà l'histoire, j'aime. Merde, le véhicule est déjà parti. Ah merde! Donc voilà. Mais bon, j'ai pas voulu essayer parce que ça racontait l'histoire et je voulais découvrir le vrai jeu. Par contre, est-ce que je vais faire une vidéo le jour de la sortie? Je vais vous dire. Alors, je quitte, je crois que je quitte à midi, oui, exactement. Je quitte de mon lycée à midi, j'aurai mon jeu dans l'après-midi. Voir le matin, ça dépend des livraisons. Ou au pire, je dois peut-être aller chercher au magasin directement, j'en sais rien. Donc, ça veut dire que... Attends, il y a moins... Oh, ouais, y a moins de trucs à faire. Donc, ça veut dire... La vidéo serait... Bah, en fait, le seul souci... Les jeux, même avec les CD. Comme sur PC, en gros. Que je pourrais peut-être pas faire la vidéo tout de suite parce que j'ai appris sur jeuxvideo.com aujourd'hui que le jeu Destiny allait prendre 40 gigas. Donc voilà. Donc on verra. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je viens de vous faire découvrir le nouveau mode de jeu. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé le mode de jeu? Moi, je vous dis que c'est du changement total dans Titanfall. Voilà. Là, en tout cas, on peut jouer au snipe. C'est du Call of là. Sur une grande map. Donc, voilà. Voilà, j'espère que... Allez, bye bye tout le monde. Et à bientôt.